Village Média sur Europe 1, le journal du village. Et on ouvre votre journal du village, Raphaël, avec un message d'Europe 1. Oui, suite aux menaces et au harcèlement subis par notre chroniqueuse Nadia Dam, après sa chronique du mercredi 1er novembre, Europe 1 a déposé plainte hier pour menace de crime contre les personnes dans une antenne de police du 8e arrondissement de Paris. Frédéric Schlesinger et toutes les équipes d'Europe 1 tiennent à lui renouveler, à Nadia Dam, leur soutien et condamnent une nouvelle fois avec vigueur toute forme de pression et de menaces. Ça c'est dit, Raphaël. Alors maintenant, vous allez nous parler du Twittergate qui a agité cette nuit les médias américains. Oui, si je vous dis au revoir président, vous allez tout de suite penser à ça. Ben, c'est Pierre. Au revoir, président. On ne s'en lasse jamais non plus. Hein. C'était une fameuse pub pour notre loterie nationale. Pour dire que vous démissionnez ? Non, rassurez-vous. Et qu'elle est très riche. Rassurez-vous, vous ne savez pas. Enfin, ça se trouve, vous avez envie que je démissionne, je ne sais pas. Oui, vous rassurez-vous ou pas. Non, je vous ai fait écouter ça parce que cette nuit, un employé du réseau social Twitter s'est offert le coup d'éclat du siècle le jour de son départ de la compagnie. On parle d'un raz-de-marée numérique. Qu'a fait ce mystérieux employé ? Il a désactivé le compte perso de Donald Trump, @RealDonaldTrump. On parle bien du compte que le président utilise régulièrement pour tout et n'importe quoi, pour annoncer des nominations ou passer des coups de gueule. Oui, c'est ce compte-là, ce fameux compte depuis lequel il a réclamé, par exemple, encore il y a deux jours, la peine de mort pour l'auteur de l'attaque de Manhattan. Alors que la peine de mort n'est pas appliquée dans l'État de New York. Mais bon, passons, c'est pas le sujet. Cette nuit, aux alentours de minuit, ce compte mondialement connu, suivi par 42,7 millions de followers, a donc été désactivé pendant 11 minutes consécutives. Alors, il y a 9 heures, les responsables de Twitter ont d'abord parlé d'une erreur humaine. Et puis deux heures plus tard, paf, ils ont admis qu'un employé avait fait le coup et annoncé qu'une enquête interne était en cours. Alors cet homme ou alors cette femme, on ne sait pas qui c'est, est devenu instantanément le héros de tous les détracteurs de Trump. Ils sont nombreux. On a des infos sur lui ou elle ? Qui c'est ? Eh bien non, pas encore. Oh, c'est le grand jeu du moment. Trouver qui est celui ou celle que des milliers de tweets désignent ce matin comme un héros. Pour l'instant, on n'a pas d'infos, rien peanuts. Sauf que cette personne travaille au service client de Twitter. Alors, il travaillait. Au passage, je vous le signale, Village Média prépare une émission spéciale sur Trump et les médias. Ce sera mercredi avec Martin Veil de Quotidien et Mélissa Bell, qui est la correspondante à Paris de CNN International. Et puis, toute autre chose, si vous aimez le photojournalisme, vous connaissez, je vais bien le dire, le World Press. Oui, c'est le concours photo de référence. La 60e édition a eu lieu en février dernier. Vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant ? Parce que traditionnellement, les photos des lauréats et des participants font le tour du monde dans des expos. Et à partir de ce week-end, c'est au tour de Paris. La galerie Carla Sozzani, dans le 18e arrondissement, expose 150 photos qui ont marqué l'année 2016. Et vous pourrez voir, entre autres, l'extraordinaire photo lauréate du Grand Prix du World Press. On y voit ce policier arme à la main qui vient juste d'assassiner l'ambassadeur russe en Turquie, l'ambassadeur qui gît au sol. Et quand on voit ce cliché signé du photographe turc Burhan Özbilici, on pense à la théorie de Robert Capa. Qui est ? Est-ce que vous vous souvenez de cette théorie ? Je le savais importante pas. Importante pour tous, moi, tous le ceux dis, qui font du photojournalisme. Je ne sais pas. C'est si vos photos ne sont pas assez bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez prêts. Voilà, parce que là, on est vraiment dans l'exemple de ça. Il est tout près de ce tueur. Mon rédac chef actuel m'avait donné cette leçon. Si le lecteur ne comprend pas, c'est pas lui qui est con, c'est toi qui écris mal. Voilà, c'est un peu du même genre. Comment on fait pour voir ces photos si on n'est pas à Paris ? Bon, je vous en ai mis quelques-unes sur notre compte Twitter, @villagemedia. Et puis, on va passer à la télé avec une émission que vous aimez beaucoup, Raphaël. Oui, et ça va vous intéresser. Karim Rissouli, c'est Au tableau sur C8, le concept des enfants interviewent des politiques et ça donne des réponses parfois beaucoup moins langue de bois que dans les émissions politiques traditionnelles. Écoutez, Édouard Philippe. Vous soutenez qui pour la présidence du parti ? Personne. Non mais personne, c'est leur truc quoi. Je vais pas voter, ils veulent me virer. Voilà, c'est pas mal, ça passe dimanche à 21h. Merci beaucoup. Europe 1.